Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Decade Challenge. Ah, que c'est bon! Que c'est bon! Que c'est paisible! Pourquoi elle est réveillée alors qu'elle est censée dormir? Dors profondément, d'accord. Oui? Ah! Et on a Germaine qui s'est réveillée! Ah, Germaine! Hein? Dis donc, toi tu vas aller pisser. Oh là là, on va encore avoir droit à une lessive today. Today is a lessive day. Ah, mais on peut pas dormir dans cette baraque. Ah, toujours pondre des gosses. Tu sais, Gustave. Pierre-Nard, tu vas finir par faire chambre à part. Hein. Il y a que Joséphine qui hurle pas. Ah, mais non, il râle parce que c'est sale. Bah ouais, bah écoute, hein, c'est comme ça. Il est quasiment 6 h du matin, va, t'inquiète pas. Allez, tu peux retourner au lit rapidement et puis. Et ce sera bien, on va passer à la journée. Avec toujours la même chose, des lessives, du jardin, de la menuiserie. En attendant. Mais elle est toujours réveillée alors qu'elle dort. Oui. Mon jeu va très bien. Je sais pas si le vôtre va. Ah, cette fois-ci j'ai. Ok. Non, non, mais voilà, mon jeu va très bien. Et c'est le calme absolu. Mais qu'est-ce que tu fous debout, toi, déjà? Ah ouais, toi, t'es comme ça. Oh là, j'avais pas mis ça au frigo. C'est bientôt l'anniversaire de Gustave. Mais c'est très bien, ça. Mais bien sûr, oui, très. Oui. Et bientôt l'anniversaire de Gustave. Par contre, elle a besoin d'un bain, le Gustave. Besoin d'un bain. Mais. C'est vrai que maintenant Louise peut donner le bain. Mais ça. Ah, on est samedi, donc si, elle va pouvoir s'occuper un peu des tâches ménagères pendant que maman elle récupère un peu parce que maman elle a beaucoup fait quand même. Hein. Là, elle a beaucoup de derrière elle et elle a besoin un peu de se reposer de temps en temps. Elle vient d'accoucher encore, donc 5 enfants, ça fait beaucoup. Alors Louise, à peine elle est réveillée, ce coup-ci elle est vraiment réveillée, elle fait quoi? Elle fait la vaisselle. C'est bien, ça améliore tes manières, regarde-moi ça, tu vas être bien élevé. Tu vas être empathique, responsable, bien élevé. Tout ça, quoi. Ouh, elle est toute nue. Elle est toute nue. Ma pauvre petite. Ma pauvre petite. Bon, c'est vrai qu'elle avait besoin d'un bain. Toi, tu peux faire quoi? Qu'est-ce que t'as été faire? Bah, il a été faire ça dans le buisson au lieu de faire ça dans les toilettes. C'est pas comme si on avait des toilettes maintenant à la maison, quoi. Tiens, tu vas t'entraîner. Quoique, j'attendrai qu'il soit ado pour le faire vraiment jouer du violon. Pour qu'il ait vraiment la compétence musique. Oh, mais c'est toujours affreux. En fait, les enfants, ils peuvent pas améliorer leur skill en musique, hein. Attendez, c'est ici. Parce qu'il a quand même 10 en créativité. Ah si, violon, ça y est, ça monte maintenant. Parce qu'en fait, avant, il doit se taper les 10 créativité et après, il se met au violon. D'accord. Pas logique, hein, mais bon. Ouh, qu'est-ce que tu me casses les oreilles? Ah! Les enfants. Les parents se lèvent en chœur. Complètement symétrique en plus. C'est magnifique. Maman! Maman, elle a un peu faim, elle a un peu pipi. Papa, papa, il va bien. Tu vas faire la cour à ta femme un petit peu. Tu vas dire, oh, comme tu es sublime ce matin. Ce matin du matin. Ce matin matinal. Et tu vas faire une petite blagoune. Alors que l'autre, il est avec son violon, là, laisse tomber. En plus, t'as besoin de discuter, donc ça te fera pas du mal. Pas. Oh là, bref, on a compris. Tu vas faire un massage? Ah mince, j'ai encore loupé. Là. Je pensais que c'était que quand elles étaient enceintes. Ou pendant les rencarts. Tu vas pas danser, tu vas manger. Voilà. Allez, un petit massage des familles. Oh oui, ça... Oh, oui, ça fait du bien. Clanky.
jeter des mots doux. Oh, mais qu'ils sont mignons, ces enfants. C'est pas des enfants. Ah, Arthur Queer, il s'est réveillé aussi. C'est bien. Tu vas pouvoir lui apprendre des choses à ton frère. C'est bientôt l'anniversaire de Germaine. Ah bah, comme ça, on pourra voir à quoi elle ressemble. Discuter de la paix dans le monde. Est-ce que tu peux lui apprendre des choses? Ah bah tiens, maman est là. Louise, ok. Maman? Pas de bêtises. Oh, des bisous! Ils sont trop mignons! Alors, le petit Ivana, toi, tu vas emmener le linge. Ok, ici, l'eau, elle est changée. Après, tu vas fouiller les poches. Et tu vas faire la lessive dans une bassine. Qu'est-ce que tu fais? Lui, il regarde son fils. D'accord. Ben non, j'allais dire Jean-Charles. C'est pas Jean-Charles. Tu vas entretenir le jardin, mon petit. Oh, il est tout en jouleur. Ah, la classe de Pierre-Nard. Ah, Pierre-Nard. Ah, punaise, j'ai des délires, moi, des fois. C'est compliqué. Non, tu vas pas faire ça. Laver dans une bassine. Ouais, elle va se taper tout ça. Il y a des fringues partout. Faire croire que tous les Sims sont des robots. Bah non, en plus, ça n'existe pas, les robots. Tiens, toi, tu peux mettre la table, s'il te plaît. Décontracté, rouge. Compétence de violon pour Albert. On n'y est pas encore. Hein. Et après, tu feras la vaisselle, s'il te plaît. Jolie Louise, tu vas venir là. Et tu vas proposer à Gustave. Ah bah Gustave. Prendre à Léopold à Gustave. Non, non, mais. Ah mince. Je m'ai gouré. Ah bah il y va tout seul, de toute façon. Tu sais que t'es avec Arthur, bah c'est très bien. Donner une chic note sur le nez. Qu'est-ce qu'elle est belle, notre Joséphine. Oh putain. Elle est hystérique. Je vais m'étouffer. Non, non, tu vas te calmer, Louise. Non, 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 tu vas te calmer. Tu vas pas aller aux toilettes, tu vas t'occuper de ta petite sœur. Ah non, mais je voudrais pas qu'elle claque, hein, quand même. Elle est jeune. Si elle meurt et que tous nos fils meurent à la guerre, on est mal barrés, quand même. On est quand même très, très mal barrés. Lui, ça va, il fait son petit pipi. Toi, je t'avais dit de faire la vaisselle, hein, tu l'as pas fait. Donc, s'il te plaît, tu peux le faire. Ah, c'est ça que t'avais pas fait tout à l'heure, c'est que t'as pas emmené le linge à ce soir, il va craquer le truc. Tu peux le bercer, après tu peux vendre ta truc. C'est marrant quand il y a un enfant qui parle au bébé, à chaque fois le bébé il pleure. C'est très bizarre. Genre, me parlez pas! Je comprends pas ce que vous me dites! Ça va Albert? T'en as pas marre? Alors, compétence 4, imagination. Toi, tu vas aller donner un bain à Gustave. Allez. Louise, la deuxième Joséphine, quoi. J'avais hâte que tu grandisses, ma belle, tu sais pourquoi? Juste pour que tu fasses ces tâches ménagères comme ta mère. Voilà. Ça, le petit va être lavé. Maman, pendant ce temps-là, elle continue à faire sa lessive. Papa, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son jardin. Oula! C'est quoi cette musique? Non, 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 on éteint, du coup. On profite seulement de la musique de Albert. Voilà. Sublime musique, n'est-ce pas? Arthur, qu'est-ce que t'as besoin de faire? Oh, ton contrôle des émotions, ça va pas du tout. Ton empathie, c'est pas mal. Ton contrôle des émotions. Tu vas déjà jouer un peu avec le kit médecin. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah, et tu vas jouer avec émotion deux fois avec ce petit jouet. Voilà. Elle donne un bain au petit. Ça a l'air un peu bugué parce que ça n'avance pas. Trop mignon.
Ah, Joséphine, elle a rangé le linge. Tu peux vider la lessive et accrocher la corde à linge. Tu peux ensuite. Je vais attendre que ce soit vide, sinon ça ne pourra pas le faire. Changer l'eau. Ah oui, c'est vrai que maintenant on est en 1900, on peut aller au parc. Ben écoutez, si tout le monde est en assez bon état, c'est ce qu'on va faire. Le petit, il monte, il grimpouille, il va aller jouer. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Discuter, partager des photos. Tu vas rien partager du tout, oui. Tu vas nous faire un petit paysage. Pierre-Nard, lui, il a fini de s'occuper du jardin. Tu as des trucs à faire quand même. J'ai cru voir un truc à faire évoluer, mais où? Si celui qui est là. Ouais. Oh, tu vas le faire. Voilà. Gustave va grandir. Putain, mais Albert. Danse. Allez, arrête et va manger. Et là, tu me casses les pieds, j'en puis plus. Le petit va y jouer, lui aussi, la faim, par contre. Va lui ouvrir un truc. Ça va, on va attendre que lui se serve. Voilà. On va dire que tu vas prendre ça. Baylor. Il n'y en a plus, c'est-à-dire que quelqu'un l'a pris. Tu vas prendre des boulettes de viande. Hop! Tu vas manger ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas regarder son enfant. Mais toi aussi, Joséphine, alors tu vas manger. Non, tu vas pas. Ah bah, il n'y a plus rien à manger. Ah bah bravo, tu vas servir le déjeuner alors. Un faux sandwich, allez. Vu qu'on va aller au parc, on va manger des sandwichs. Mon papa, il mange. Elle a fait sa toile. C'est très bien, ma petite. Tu vas pouvoir aller aux toilettes après. Quel beau paysage. C'est un concept. C'est un paysage abstrait. Mais l'abstrait, je suis pas sûre qu'il existait déjà à l'époque. Oh, il y a un jeune homme qui passe dans la rue. Bonjour, jeune homme. Oula. David Lambert. Il est pas très très épais. Ah, il est beau gosse. Tiens, tu pourrais faire une petite présentation. Qui sait, peut-être que on pourra le caser avec notre Louise nationale. Qui sait? Ce cadeau, cadeau raté. Enfin bref, ce cadeau est pour toi. Lui, faut qu'il. Je l'avais fait monter justement pour qu'il améliore ce. Diminuer manière, diminuer manière. Tu vas augmenter ta résolution de conflit. Non mais de toute façon niveau manière. Ah, c'est le contrôle des émotions qu'il a du mal. Il y a Bichette qui pue du cul là. Non mais va pas te laver les mains, on s'en fiche. Il est encore là le gars? Non, il est parti. Je pense on verra bien. Maman, dépêche, il y a ta fille qui a besoin d'être changée. Non, non, Arthur. Non, plus. Non. C'est Arthur celui-là? Oui, c'est Arthur. Avec les lunettes, c'est Arthur. Tu peux jouer? Bien sûr, il a rien dans son truc. On est obligé de monter pour qu'il joue avec un truc qu'il a dans le coffre. Tu vas jouer avec le papillon. Hop. Il me semble que tu ne l'as pas encore assez fait aujourd'hui. Pouf. Pouf. Ouais, oui, carrément devant la porte, ça a raison. Alors que Pierre-Nard, il attend que son manger vienne. Et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 2600 Simflouz, tu n'y vas pas. Tu peux parler à ton fils, là, ton petit. Jouer. Les manières de Louis sont autant avec la graine bien élevée. Alors, ah, lui parle, ça y est. Bon, c'est pas du tout le look de l'emploi, hein. Décrire la nouvelle idée. Discuter de la théorie des couleurs. Amical. Faire connaissance. Comment s'est passée la journée? Et puis un petit discuter des centres d'intérêt serait le bienvenu. Voilà. Comme ça, elle aura de quoi faire.
trop des fourneaux, niveau 10 pour Joséphine. Bravo Joséphine. Ah non, alors attends avant de manger. Tu vas changer la couche sale de ta petite. Est-ce que tout le monde a mangé? Toi, tu ramènes ton cul ici, t'as rien à foutre là-bas. Si tu veux, tu peux te laver les mains et te laver les dents. Toi, tu iras aux toilettes aussi après. Mais alors, Pierre Nard qui s'amuse avec son dernier là à faire des grimaces. Ah, et enfin l'autre elle se tait. C'est ouf. Oui, j'appuie sur. Pause. Ah. Elle a découvert qu'il était créatif. Comment il s'appelle, David? Oula! 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 Au secours! Ça bougue! Ça bougue! Tu fais des trucs bizarres avec ton fils, Pierre-Nard, tu me fais peur. Des trucs très bizarres, en fait. Et elle se marre. C'est trop mignon. Pierre-Nard, tu me fais peur. Il y a tes bras qui sont désossés. J'aime pas ça, moi. Comment tu vas, toi? Ah bah, refais une toile. Ah bah, c'est parfait. C'est parfait. Tu voulais faire quoi, mon gars? Va pisser. Faire pipi comme un champion. Je lui crapahute, là. Qu'est-ce que tu vas faire avec les toilettes? Non, 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 tu fais rien avec les toilettes, mon petit. Et on va ranger ça. Et puis, il y a quelqu'un qui va faire la vaisselle. Ce sera Albert. Allez. Tu es de corvée de vaisselle, ça t'améliorera les manières. Oui, lui non plus, on contrôle les émotions et empathie, c'est pas trop ça. Et il a été bambin heureux. Méchanceté. Phase de l'enfance, c'est le moment d'être méchante sans raison particulière. Ceci me c'est d'humeur désagréable, c'est... Ah bon? Bien. Bon, ça il fait la vaisselle. Toi, tu fais ta toile. C'est parfait, et après on va au parc. Oui, nous voilà au parc. Au parc de la mûre, au parc là où nos petits-enfants vont vraisemblablement se marier pour la suite au Doux Challenge. Donc j'ai viré quelques petites choses parce que normalement vous voyez ici il y a le truc de photo. Est-ce que j'ai mis... Il n'y a pas la salle. Vous voyez, c'est que l'église, il n'y a pas la salle de réception. Il y a quand même un piano, tout ça, il y a des instruments. J'ai mis un feu de camp ici. J'ai enlevé carrément la bâtisse avec les toilettes. Et j'ai mis des buissons à pipi un peu partout. Comme ça, tout le monde pourra faire ses petites choses. Vous voyez, il y a déjà quelqu'un qui a été pipité ici. Alors, je me souviens pas qu'on ait droit ou pas à au puits à souhait. Donc, bon, pourquoi pas. Peut-être que tu devrais faire un souhait, faire une offrande. Ouais, mais nous, on n'a pas assez. Tu vas faire un vœu déjà. Souhaiter, trouver l'amour. Allez. Après, c'est pas très grave. Hein. Si ce n'est pas accordé, ben, je ne le referai plus. Puis là, c'est pour histoire d'aller dans le jeu, quoi. Rien de mieux pour créer l'ambiance parfaite qu'une personne avec un peu de flirt. Alors qu'attend Louise pour sortir et séduire. Ah, elle a son truc boosté. Flirt ultime. Eh ben, ma coquine! Est-ce qu'il n'y aurait pas du mal à voir dans le coin? Non, il n'y a pas l'air d'en avoir. C'est un parc vide, mes enfants. Nous sommes, il n'y a que nous. Bon, c'est pas grave, elle va aller s'amuser dans le... Elle va s'amuser dans l'eau. Comme quoi, il suffit pas forcément de grand-chose hein, pour amuser un Sims. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va entretenir le feu. Attention, te tue pas, Joséphine, ça me ferait un peu chier, là, vraiment. Tu vas allumer le feu. Avec une bouteille, bah oui. Ça existait bien à l'époque. Ah, passer du temps, attendre. Danser autour du feu nécessite niveau 3 de compétences danse. Mais non.
donne une petite ambiance, quoi. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne dans le coin. Mais vraiment, personne, qui... personne ne vient dans... dans le parc. C'est d'une tristesse absolue. C'est dommage, moi qui... qui me disait, ouais, bah, on va aller rencontrer des gens et tout. Bah, les garçons, vous pouvez jouer là, hein. Hop. Jouer ensemble, oui. Jouer ensemble, plutôt. Tac. Et le petit, elle est à la garderie. Eh bah, lui, il va pas pouvoir faire pipi-popo, hein. Au moins, ils sortent, hein. Pour la première fois de leur life, ils sortent. Ah, ils vont tous jouer là? Mais les adultes et tout, ils peuvent pas monter là-dessus. Ah bah, je découvre. Hein. Je sais... En fait, ils vont juste regarder. T'as les chocottes, Albert? Attention, il va faire des conneries. Avant même qu'il fasse éducation, discipline et comportement sévère, hurler dessus pour avoir mis le bazar. Vas-y, Albert. Ah non, il le fait pas. Mais pas! Je l'ai même pas fait! Non, mais t'as failli le faire, enfoiré de ta mère. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Qu'est-ce que tu fais, Joséphine? Oh, tu câlin! Illuminer la journée. Jeter une pièce. Ah! Ah oui, il y a un barbecue. C'est bien, apprends la cuisine, ma belle. T'en auras besoin pour la suite. Et puis ouais, elle a commencé à avoir faim, tu m'étonnes. Bon, on va un petit pique-nique, hein, c'est dommage, c'est que personne ne vient en même temps, j'ai pas beaucoup de... de... Oh Pierre-Nard, tu peux venir gueuler pour de bon cette fois-ci sur ton gosse. Franchement, Albert, tu me déçois, tu me déçois, tu me déçois, Dispina. Punir. Punir pour avoir mis le bazar. Allez. Hé, hey, Jean-Michel Bourrouge, là, viens ici. Oh là là. Alors, il va être privé de quoi? Bon, bah forcément, il va pas être privé de beaucoup de choses, privé d'amis. Punissez votre signe, vous en attendant un ami, privé de téléphone, privé de musique. Privé de jouer et de jeu. Allez, zou. Tu vas ranger ça, petit con. Après, tire aux toilettes et tire à manger. C'est ta sœur, elle a fait des petits burgers. Tu vas engueuler ton autre fils? Ah, il va enlacer. Oh, c'est mignon. Là, t'as pas appelé à table, toi. Appelle à table, Louise, comme ça au moins tout le monde viendra manger tes burgers. Burger végétarien, attention. Ouais, t'as tout le monde qui arrive. Bah, l'autre, elle se resserre. Ah non, c'est le même là. Elle va ranger. Oh! On les a pris en flagrant délit d'amour. Mais y a plus rien à ranger. Oh. Toi, t'as pas faim, Pierre-Nard? Non? Bah écoutez... pouvait faire crac-crac dans le bus. Mais j'aimerais bien, mais le problème c'est qu'on peut pas faire crac-crac juste pour faire crac-crac. Donc voilà, elle sera enceinte, je l'aurais fait. Mais bon, là on peut pas, puisque sinon il faudrait qu'elle refasse, il refasse un bébé. Et j'avoue que ça commence à faire beaucoup, hein. Puis là on va rentrer parce que Germaine, elle aura peut-être grandi, et il va être 21h. Bon, je suis déçue qu'il n'y ait pas plus de monde que ça dans le parc. Moi qui me faisais une joie de sortir enfin de la maison. Après, on pourrait peut-être aller chez les voisins et tout, mais honnêtement, voilà quoi. Eh, mais il y a un enfant ici! Une rousse! Sophie Lambert. Tiens, Albert, tu vas venir te présenter? Ah, tu la connais déjà en plus. Donc à quoi ça sert?
Par contre, toi, tu vas pas. Tu la connais pas. Mais en fait, il y a plein de gens, mais ils viennent pas dans le parc. Regardez. Tchac, tchac, tchac. Qui êtes-vous, madame? Kira Anand. D'accord. Toi, tu es Vincent Girard. Voilà, un petit garçon. Ça, c'est notre maison, ça, oui. Il y a des gens, mais ils ne viennent pas. Ça, c'est Henri Rousseau. Voilà. Ce pourrait peut-être... Oh, oui. Présentation dragueuse, tiens. Hop. Mais ils viennent pas dans notre parc. Moi, j'ai déçu. Ah non, notre maison, c'est laquelle? Ah non, c'est pas celle-là, notre maison. C'est une que j'ai faite aussi, qui est dispo sur la galerie. C'est une des premières que j'avais faites avant de commencer le challenge. Je l'avais construite. Et elle est mignonne aussi. Voilà, un peu, elle est un peu bizarre parce qu'elle a... Voilà, elle a quand même deux pièces parce qu'elle a la chambre. Elle a le séjour et la chambre, voilà. Mais c'est pas notre maison. Notre maison, elle est ici. Elle est plus grande. Puis ça se voit, il y a toutes les merdiers là autour. Bref, voilà quoi. C'est intéressant. Oi, 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 oi. En même temps, le petit, là, il en peut plus. Hein. Il faut qu'il pisse et tout. Il est fatigué. Il y a pas de peau dans le coin pour faire un pipi. Donc... Forcément, mais là, il est 22h. On va rentrer. Il y en a une, elle est en train de draguer. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais va... Va pisser, qu'est-ce qu'il a? Méchant. D'accord, t'es méchant. Mais va pisser, gars. J'ai mis des... Voilà, regarde, il y en a un ici. Va fertiliser le buisson. Maman, je suis sûre qu'elle va venir nettoyer. Non, bah tu vas venir nettoyer quand même. Arrête, elle... Ah, elle nous saoule, elle, c'est pas possible. Il est sûr de lui, je sais plus qui là. Henri. Ouais, allez, on va rentrer. Hein. De toute façon, il va être largement l'heure de rentrer à la maison. Et nous revoilà à la maison. Germaine est rentrée de la garderie. Bah ouais, c'est cool. Petit Gustave, tu vas faire un petit popo. Et après tu vas aller dormir. Les autres, toi tu vas faire ça. Toi aussi tu vas aux toilettes. Si t'as pas le temps d'y aller, toi tu vas prendre un bain. Je pense qu'il va y avoir des dramas. Ils vont tous aller dans la même salle de bain, je le sens bien. Mais non, tu vois, du coup, tu vas pas faire ça. Tu vas laver les mains, laver les dents, laver les mains, laver les dents. Comme à l'ancien temps, bon vieux temps. Il y a quelques années en arrière. Et puis, Fiernard, on t'avait pas encore fini de vendre des trucs. C'est passé la journée à ta fille. Elle se met à danser. Non, c'est bon, tu peux aller aux toilettes maintenant. Il n'y a pas de problème. La petite Germaine, elle est encore là. Tu vas lui babiller. Tu vas la dodeliner. Puis vous pourrez aller vous coucher parce que là, il se fait tard quand même. Hein. Ouais, non, mais tu vas aller dormir, cocotte. On va remonter les divertissements plus tard. Allez, arrête avec ton évier. Pierre-Nard! Tu veux un peu prendre un petit bain avant de dodo? On va... Non, on va laisser ça. On va vendre tes plantes. 3750. On va vendre les fraises. Hop. On va vendre ça. On en a pour 1310. Et on va vendre ça pour 1435. Ouf, on est bien. On monte, hein. On monte très bien pour Monsieur Pierre-Nard et son aspiration. Alors je sais, c'est pas une obligation, mais
Moi, j'aime bien, pourquoi pas, aller jusqu'au bout de respiration, vu que là, on a le temps. Avoir un enfant, besoin de mener de A au lycée. Ben, ça, ce sera la petite Louise. Mais Louise, elle ira dormir. Elle ira dormir. Elle ira au lycée, il faudrait bien qu'elle y aille. Elle a B, donc pour l'instant, ça ne saurait tarder, mais on n'y est pas encore. Pierre-Nard, qui c'est qui est parti dormir dans le lit? Mais elle, elle est partie dans son... Non, mais... T'as une chambre, cocotte, tu savais pas? Tu vas dormir dans ton lit à toi, voilà. Et lui, il fait une sieste. Non mais... Non mais c'est bon, vous êtes plus obligé de faire une sieste. Il dort dans son bain. Vous êtes plus obligé de faire ça, sachant que y a plus de monstres qui viendraient vous emmerder, donc... Ça, il n'y a plus de monstres. C'est fini, les monstres. Hop, elle dort. Lui, il va manger. Oh, Pierre-Nard, tu m'épuises. Le petit, ça va, il est en bon état. Il fait que dodo. Pierre-Nard, tu te dépêches de manger. Punaise. Ouais, elle est encore... tu vas la nourrir, tu vas l'allaiter, parce que là... Vas-y! Qu'est-ce que t'as? T'as des chaleurs? Tu vas la dodiner et tu vas manger le reste de gâteau de Pierre-Nard qu'il n'a pas fini. Parce qu'il aime bien faire le gâchis. Allez, va au dodo. Oups, pas trop vite. Et c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne donc rendez-vous pour le... pour un prochain épisode du Decade ou d'autres choses. En attendant, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser un message et à vous abonner. Allez, salut! Oh.